Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Mais ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. D'après nos informations, l'entraîneur aurait donc aligné un 4-3-3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après, ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer dans l'axe. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Passe en profondeur. Ouais, non, dommage. Wow. Il relance côté droit. Il a de l'espace. L'assistant lève son drapeau. De Jong, ce long ballon ne donnera rien. La longue passe, Mohamed Salah, il a de l'espace. Bon, c'est sans doute pas le centre de sa carrière. Non, ça manque d'application. Salah, ça passe à droite. Pas mal du tout, ça. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Ah. Il est bien placé sur la gauche. La passe dans la profondeur. Et c'est bien démarqué. Faut frapper là. C'est bien défendu. Oui, il n'a pas hésité. Ah, il a joué à deux. Voici un bon centre. Corner mal négocié, le contre à suivre. Ah oui, superbe transition. Dans la profondeur. Oh, l'inspiration. Oh, oh, le but de l'Olympique de Marseille. Hallucinant. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Ça joue long. Oh, l'occasion. Il est passé. Ça peut être dangereux. Oh, c'est dedans. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Quelle transition formidable. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est vraiment allé très vite. Bravo. C'est reparti sur ce score de 2-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il joue sur sa gauche. Quel timing dans l'interception. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il choisit le côté gauche. Ça cherche la profondeur. Ça peut partir en contre. Salah ! Oh, Messi ! Dommage que ça ne soit pas allé au bout. C'était une bonne occasion.
coup franc. Et ça va pouvoir repartir. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Il a stoppé l'attaque adverse. Ah. Cette défense est vraiment solide. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il part en solo. C'est joué dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, quel geste! Ah. Et ça peut partir en contre. Il y a du mouvement. C'est joué long. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait, ça. Qui est bien placé. Un centre bien placé. Il a bien jailli. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. La bonne passe. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça joue à gauche. Messi, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Non, ça manque d'application. Et le centre bien placé. Faute, c'est indiscutable. Messi. Pour Ronaldinho. Oh, Cristiano Ronaldo. Le bon dribble. Cristiano Ronaldo. Ça passe juste à gauche. Oui, c'était un très bon tir. Avec un peu plus de réussite d'ailleurs, c'était dedans. Va-t-il en profiter? Il joue sur sa gauche. On joue sur l'aile, il est servi. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. On avait eu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. Allez, on est reparti. Neymar. Messi, il est passé. Il remporte son duel. Une nouvelle intervention. Et c'est directement récupéré. Il faut faire les bons choix. À lui de bien jouer le coup maintenant. La passe est précise. Une occasion! Il récupère le ballon. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Aïe. Ça n'arrivera pas, pas assez précis. Et toujours ces deux buts d'écart, ça permet de voir venir. Donc il va vite sur ce côté.
Le ballon dans la profondeur. Il tire. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'était une meilleure finition. Non, c'est récupéré. Il y a peut-être un coup à jouer. Il peut centrer. Il allonge. Mais il était bien présent. Sur la gauche. Oh, le bon ballon. Il est là, à la réception. Il frappe. Et c'est un... Oh, ça commence à être chaud. Peuvent-ils égaliser? Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Et il ne compte plus qu'un petit but de retard. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Il choisit le côté gauche. Sur le côté. Et ballon perdu. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Depuis qu'ils sont revenus à 2-1, ils semblent de nouveau y croire. En tout cas, ça relance cette fin de match. C'est parfait pour le suspense. Ça, c'est une interception parfaite. Ronaldinho. Bien joué dans l'espace. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. En retrait. C'est mal dégagé. Et c'est récupéré. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. L'horloge tourne et la frustration risque de monter. La qualité du marquage est à souligner quand même. Oui, bah il a déjà fait le coup de passer dans le dos. Alors forcément, il se méfie maintenant. Bon, c'est pas pour cette fois, mais c'est bien de continuer à attaquer comme ça. Oh, très bon ballon. À ce stade du match, c'est un peu dommage. C'est l'heure de procéder à un changement. Oui, il a beaucoup donné dans ce match et c'est bien normal de lui permettre de souffler un peu. Il allonge le jeu. Bien joué, ça. Le débordement à droite. Un sang. Le coup de tête. Bon, ça aurait pu sceller le résultat. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Bon, il va falloir y aller là, les gars. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Dégagement. Mais il paraissait bien seul aussi. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Les fans réclamaient son entrée. Leurs souhaits sont exaucés.
Oui, ils ont visiblement prévu d'utiliser son jeu de tête pour faire pencher la balance. C'est bien fait. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Ronaldinho! What? Oh, dommage, c'était pourtant bien tenté. Oui, c'est pas passé loin. C'était bien tenté. Bonne intervention défensive. Ronaldinho! Il est bien trouvé. Foden! C'est au fond des filets! Oh, c'est bien parti maintenant à ce moment du match. Ça commence à sentir très très bon. La frappe enroulée, elle finit au fond. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Et il venait juste d'entrer et il est déjà décisif. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Quelle victoire absolument fantastique, sincèrement, on va s'en souvenir longtemps de ce match. Taren, c'est l'heure du bilan, je meurs d'envie de connaître votre opinion sur cette rencontre. Ah, mais vous savez que j'aime le football offensif, donc là, je ne peux qu'être heureux. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. Ouais, vraiment, c'était une belle soirée d'arène, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt à tous. Tout le plaisir a été pour moi.